Bonsoir à tous et toutes. La thématique de ce soir, c'est la radicalisation fait social et ou religieux, c'est-à-dire que la problématique tourne autour de deux concepts fondamentaux. Est-ce que l'on peut expliquer le radicalisme et la radicalisation par seulement des facteurs sociaux ou bien des facteurs seulement religieux? Or, il y a assez de facteurs religieux et au facteur social, on pourrait ajouter le facteur politique, parce qu'il y a trois donc notions fondamentales qui doivent faire l'objet des interventions des uns et des autres, à savoir la question sociale. Est-ce que la question sociale n'est pas l'un des facteurs fondamentaux explicatifs de la radicalisation d'un certain nombre de jeunes? Deuxièmement, la conviction religieuse. Il ne faut pas la sous-estimer. Est-ce que le facteur religieux est prédominant par rapport à la question sociale, ou bien est-il un facteur secondaire ou premier de cette radicalisation? Enfin, à quel usage politique conduit la radicalisation? Quels sont les objectifs de ceux qui se radicalisent? Qu'est-ce qu'ils poursuivent comme but? Voilà, donc je pense que M. Kamal a avoir résumé la thématique autour de laquelle les interventions doivent se faire. Bien entendu, j'ai le mauvais rôle, puisque je dois interrompre si on va dans une mauvaise direction. Vous n'hésitez pas à vous radicaliser, mais jusqu'à une certaine limite. Voilà, au-delà d'une certaine limite, le danger est pour tous, donc il ne faut pas qu'il y ait danger pour tous. Voilà. Merci. Alors, moi, j'ai envie de donner la parole tout d'abord à M. Miloud Ismaili, qui fait un travail autour de l'ère numérique, donc Facebook et tous les réseaux sociaux, et l'influence des réseaux sociaux dans les relations avec les jeunes. Alors, M. Ismaili, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, d'autant plus que le numérique est quelque chose qui devient de plus en plus important et de plus en plus fondamental dans les relations sociales et relations entre générations. Ouais. Je n'ai pas de formation de sociologie ni sociale. Je vais intervenir en tant qu'éditeur. Alors, problème de radicalisation à travers, pour la Syrie, à travers les écrans, à l'ère numérique. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment comprend-on la religion à travers les écrans? Donc aujourd'hui, il y a un problème qui est posé, qui n'a pas été réfléchi par la communauté religieuse aujourd'hui, parce qu'il est tout à fait nouveau. Pour la première fois dans l'humanité, les musulmans sont amenés à étudier la religion à travers les écrans, alors que depuis tout le temps, ça a été une religion du livre, une civilisation du livre et un palais du livre, où la connaissance se fait à travers le livre. Aujourd'hui, donc qui dit livre dit une identification des auteurs. On sait qui écrit, on sait qui dit la chose, on peut le suivre. Aujourd'hui, à travers l'écran, on a de manière totalement anonyme des fatwas et des discours qui sont distillés à travers la toile et qui sont comprises en tant que telles. Elles sont acquises en tant que légitimes et véridiques. Donc la question, elle est de savoir aujourd'hui qui sont les gens derrière ces écrans qui manipulent ces jeunes. Ont-ils une qualification? Sont-ils des sociétés étrangères? Sont-ils des équipes? On attend des agents individuels, travail collectif. Qui dit les choses, qui les écrit et qui les diffuse. Et aujourd'hui, pour la première fois, on a des jeunes musulmans qui acceptent un discours complètement anonyme, un discours qui est caché. Voilà. Donc la question aujourd'hui, c'est de remettre la place du livre à l'intérieur des foyers musulmans. Aujourd'hui, moi, la première interrogation, quand je rentre dans une maison musulmane, c'est de repérer la bibliothèque. Voilà. La question, elle est de savoir aujourd'hui qu'on rentre dans une maison musulmane, c'est l'envahissement des écrans et l'absence de la bibliothèque. Alors, en absence de bibliothèque, comment le savoir va-t-il s'organiser? L'absence d'une bibliothèque, comment la mémoire va-t-elle s'organiser? Et comment l'apprentissage de la religion va-t-il s'organiser dans l'absence totale du livre et de la bibliothèque? Donc aujourd'hui, on estime à peu près qu'il y a 16 écrans dans chaque foyer, en comptant tablette, ordinateur et téléphone. Donc tout va se passer à travers la solitude de l'écran. Qui dit solitude de l'écran dit anonymisation des sources. Et à partir de ce moment-là, c'est un canal ouvert à toutes les fatwas possibles.
Est-ce qu'il y a moyen de les identifier? Il n'y a pas moyen d'identifier ces messages, puisqu'il y a des services de sécurité chargés de cela. Alors, les services de renseignement travaillent dessus, mais apparemment, je ne sais pas s'ils ne sont pas efficaces ou autres. Mais du moins, ces jeunes-là dialoguent à travers Facebook, à travers Twitter, avec des gens. Donc, est-ce qu'on peut suivre? Moi, je ne suis pas informaticien, mais moi, la question est de savoir, c'est à l'intérieur des familles, les parents doivent être très vigilants, même si on a affaire à des jeunes adultes ou à des jeunes enfants. Il faut éloigner les écrans le plus possible, il faut éduquer au numérique, il faut passer le livre au cœur des maisons musulmans. L'islam est une religion du livre. Le Coran lui-même se définit en tant que kitab. En France, dans les bibliothèques, dans les librairies musulmanes de Paris, on a une production littéraire à 95% étrangère. Ce n'est que de la traduction de livres venant du Golfe. Donc un discours qui a été écrit pour une jeunesse étrangère, qu'on traduit pour la jeunesse française. Donc c'est tout simplement une horreur, dans le fond et dans la forme. Donc là, il va falloir aussi aider peut-être les éditeurs musulmans français à pouvoir éditer plus d'auteurs français, mais il faut faire aussi un tri dans ces ouvrages. Et donc il faut faire attention, donc faut faire une aide à ces librairies, il faut faire une aide aux bibliothèques. Le retour, il est mitigé, parce qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas l'habitude de lire, qu'on arrive et qu'on vous dit maintenant il faut que tu lises, c'est dur. Quand on te dit qu'il faut t'enfermer dans ta chambre, dans la solitude, et affronter le silence pour avoir une lecture responsable et attentive, les gens ne sont pas capables. Enfants, adultes, ils ne sont pas capables. Donc il y a une vraie pédagogie sur l'éducation et une vraie pédagogie au livre. Justement, lui donner la parole pour faire un peu le lien entre tout ce qui est support numérique et ce qui est fait éventuellement à la mosquée de Saint-Denis, puisque Cheikh Ahmed est responsable de la mosquée de Saint-Denis. Et encore une fois, bienvenue. La parole au cher. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette conférence, de m'avoir invité, notamment Bali Bagayago. Et je voudrais intervenir sur deux points. Le premier point qu'a soulevé notre frère, c'est l'éducation par le livre. Tout en sachant que le premier verset qui a été révélé au prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, c'est « Iqra », apprends, lis. Qui nous invite, Dieu nous invite à connaître. À connaître à travers la création, à travers ce qu'il a créé, à travers tout ce qui nous entoure. Et sur le deuxième point, c'est sur la radicalisation. Donc sur le premier point, l'éducation. Aujourd'hui, c'est vrai, effectivement, s'éduquer par un livre, mais pas uniquement par le livre. Dans le livre, il y a deux choses en islam qui sont indissociables. Vous, en tant que témoin, quelle est la situation dans votre, la mosquée au sein de laquelle vous êtes responsable? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent au quotidien? Oui, tout à fait. Excusez-moi, je complète la question de M. Kamel. C'est-à-dire que vous parlez du vrai islam. C'est quoi le vrai islam? Puisque pour un musulman, ça ne fait pas de doute qu'il y a qu'un islam. Il n'y a pas le vrai et le faux islam. Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre pensée? Parce que c'est très important pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Et puis pour la salle, c'est très important que vous précisiez donc ce qu'on entend par vrai ou faux islam. Voilà. C'est tout à fait, vous avez tout à fait mis le doigt dessus, que le vrai islam, j'ai dit expressément le vrai islam, parce que le vrai islam, c'est le Coran et la Sunna. Et quand je parle de vrai islam, ce n'est pas l'islam qu'on nous transmet à travers le petit écran. Ce n'est pas l'islam qu'on nous dit les islamistes, les intégristes, les fanatiques, etc. Tout cela, ce sont des manipulations ou des choses qui sont venues après, des nouveaux mots qu'on a construits, appelés islamistes, appelés djihadistes, etc., etc. C'est des mots qui viennent de l'islam, mais qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et le comportement du musulman n'a rien à voir avec ces personnes-là. C'est pour ça qu'il est important de dire le vrai islam, c'est-à-dire l'islam qui est originel, c'est le Coran et la Sunna. Ça, personne n'en parle à travers les médias, à travers les politiques. Personne n'a essayé de faire des recherches, sauf ceux qui ont fait des recherches. Soit ils ont compris l'islam, ils n'ont plus combattu l'islam, ou soit... Voilà, oui. Quels sont les échos que vous recevez sur... C'est un travail de longue haleine. Ça fait des années, c'est pas d'aujourd'hui. La mosquée de Saint-Denis existe depuis les années 70. Donc c'est un travail de longue haleine, malgré les moyens, les petits moyens qu'on possédait, les petits moyens qu'on a. On a fait des efforts notamment au niveau des discours traduits en français, des discours à la portée de tout le monde,
à la portée des arabophones, des francophones. Parce que le problème, c'est même un arabophone, aujourd'hui, malheureusement, il ne comprend pas l'arabe littéraire. Donc on est obligé de lui expliquer en arabe parlé, qu'on appelle pour les maghrébins, c'est darija. Donc l'expliquer soit en darija, ou soit lui expliquer en français, avec ses mots. Car un jeune, il a besoin qu'on lui parle avec ses mots à lui. De lui parler avec ses mots à lui. Donc ça, on le fait régulièrement à la mosquée. Et on essaie de transmettre, de montrer l'image, de donner vraiment le comportement que doit avoir un musulman à travers la société, notamment à travers chez lui, pour lui-même, mais aussi à travers le monde. Car nous sommes une somme, comment dirais-je, nous formons un ensemble. Que ce soit musulman, que ce soit juif, chrétien ou athée, toutes les composantes des humains, nous sommes tous des frères issus du même père et de la même mère. Mais l'essentiel, c'est que chacun va selon ses convictions, mais on se regroupe tous, on n'a pas le droit en tant que musulman, en tant que croyant, à travers le discours qu'on transmet, le discours du Coran, bien sûr, bien entendu, et aussi le discours du prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, qui véhiculait la paix, qui véhiculait le bon vivre ensemble, le bon vivre avec, quelle que soit la personne. Ne pas s'opposer à la personne parce qu'elle est de telle couleur, parce qu'elle est de telle religion, parce qu'elle n'est pas de mon pays, ou parce que j'ai comment dirais-je, un problème avec elle. Mais non seulement, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a besoin de balayer devant notre porte. Je parle en tant que musulman. On a besoin de balayer devant notre porte. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir les moyens. On nous avait coupé les moyens, on nous avait coupé les ponts. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir construire une mosquée, c'est pas facile. Alors qu'en Europe, dans les années 70, je parle en Grande-Bretagne, je parle en Belgique, je parle aux États-Unis, au Canada, dans tous ces pays-là, les mosquées ont pignon sur rue. Les écoles ont pignon sur rue. Les hommes et les femmes musulmanes sont bien vus. On se part. Il y a une notion qui est fondamentale qu'on utilise toujours. Vous en aviez parlé tout à l'heure, Chir, la notion de djihad. Le djihad, l'effort sur soi-même, vous m'avez dit tout à l'heure, et qui est transformé alors en djihad de combattre l'ennemi, donc l'incroyant, l'impie. Voilà. Ce serait bien que vous donniez votre avis, parce que, étant donné votre position, la question de Kamal aussi, il faut y revenir. Quel écho vous rencontrez auprès des jeunes ? Est-ce que vous voyez une tendance à la radicalisation, ou bien au contraire à cet islam tolérant ouvert ? Est un avant-poste. Oui, voilà. Oui, absolument. Oui. Non, pour revenir justement à la question concernant les jeunes, les répercussions des jeunes, c'est vrai qu'il y a une soif. Que les jeunes, il y a un retour vers l'islam. Ils veulent connaître leur religion. Mais malheureusement, ils se confrontent à des personnes ou à des théories qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui contredisent justement l'islam. Justement, c'est-à-dire qu'on parle du fondamentalisme, du radicalisme. Monsieur l'a bien précisé, qu'aujourd'hui on utilise des mots. Avec ces mots, on peut dire tout et n'importe quoi. Donc faire attention de bien lire entre les lignes. Moi, je suis contre utiliser des mots et donner un sens péjoratif à l'islam. Car aujourd'hui, maintenant, l'islam, c'est devenu péjoratif. Maintenant, les musulmans se cachent. Parce qu'on dit islamiste. Ah, t'es islamiste. Oui, je suis islamiste. Je fais partie de la religion de l'islam. Islamiste. Ah, tu es djihadiste. C'est quoi djihadiste ? Tous ces mots-là ont été utilisés pour faire du mal à l'islam, pour faire du mal à la religion islamique. Et pas faire du mal aux musulmans. Mais c'est un état de fait. Et c'est très important. On parle du Coran, mais les hadiths, c'est très important aussi. Les hadiths, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. C'est sa parole. C'est sa parole. Mais c'est pas grave. Le problème, c'est pas La parole du prophète Mohammed sallam qui a été rapportée par plusieurs rapporteurs. Et il y a des hadiths qui sont authentiques. Bukhari et Muslim, c'est les plus authentiques. Et un des savants qui a instruit son fils, il lui a dit d'étudier plus de 1000 hadiths, de les apprendre par cœur, les 1000 hadiths. Attendez, laissez-moi terminer. Ne coupez pas, s'il vous plaît. Il a dit à son fils. Vous l'écoutez, c'est un chien. Il a dit à son fils, apprends-moi ces 1000 hadiths. Et son fils, pour connaître la science, bien entendu, connaît le Coran. Maintenant, pour qu'il connaisse la science islamique, il a appris ces 1000 hadiths. Et une fois qu'il a appris ces 1000 hadiths, il est retourné voir son père. Il a dit, papa, j'ai appris les 1000 hadiths. Tu les connais par cœur, vas-y, dis-les-moi. Voilà, c'est un tel rapporté par un tel, rapporté par un tel, rapporté par un tel, etc. Il lui a dit les 1000 hadiths. Il lui dit, tu vois, mon fils, ces 1000 hadiths, ce sont des hadiths erronés. Il dit, mais papa, pourquoi tu m'as dit de les apprendre ?
pour que tu ne tombes pas dans l'erreur. Malheureusement, dans ces hadiths-là, il y a des vrais hadiths, il y a des hadiths qui ont été rapportés, et c'est pourquoi on a besoin des érudits, on a besoin des savants pour nous ouvrir la voie et ne pourrons pas tomber dans le piège et d'écouter « Ah, le prophète a dit » et de croire que c'est la vérité, alors qu'il y a des hadiths qui sont faux et qui n'ont pas une vérité. Et les rapporteurs sont de chaîne en chaîne. Et les plus grands, les livres authentiques après le Coran, tout de suite après le Coran, c'est Bukhari et Muslim. Donc, ce qui se joue dans ce pays, c'est lié à la question de l'identité. L'identité, c'est la question primordiale. Les Français, dans leur grande majorité, ont peur de l'islam. Les Français estiment que l'islam n'est pas soluble dans la République. Et qu'à moyen ou à long terme, on a vu que la Syrie, comme vous disiez, moi j'ai connu la Syrie, c'était un pays extrêmement stable. Je me rappelle, j'ai participé en 2003 à des manifestations contre la guerre en Irak, et ainsi de suite. Donc, à moyen ou à long terme, je dis moyen ou long terme, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, rien n'est impossible, et ça peut très très mal se passer pour la communauté musulmane en France. Il y a aussi la responsabilité des politiques dans cette affaire qui prennent souvent des gens... La responsabilité est multiple. Il y a les parents, pas, il y a les politiques, qui n'incarnent pas forcément des gens ou des problématiques. D'accord ? Mais parce qu'ils sont dans un jeu politique de posture. Voilà, il y a des postures. Mais vous soulignez ça, des impostures. C'est vrai. Et il y a souvent des postures qui sont des impostures. Aucun doute. Mais écoutez, vous avez raison. Sur tous ces éléments-là. Vous pouvez voir, par exemple, vous parliez d'un monsieur qui peut-être qui ne vous disait quelqu'un qui ne sait pas parler, qu'un imam, mais bon. Il a un rôle à jouer, il joue un rôle. Oui, d'accord, oui, bien sûr, c'est l'éducation. Comme il y en a d'autres, comme il y en a d'autres aussi, mais c'est beaucoup plus sournois, qui parlent très bien, qui manient très très bien les concepts, oui, mais qui concrètement, lorsqu'on leur demande de faire des choses concrètes, il n'y a rien du tout. Donc, et ça, c'est encore plus grave. C'est même très très grave. Mais pourquoi on fragilise tout ça. C'est de la fragilisation très, très perpétuelle. On a fragilisé le lien social, politique et religieux. On regarde des personnes qui nous écoutent. Absolument. Si on pouvait synthétiser ce que dit monsieur à travers la lecture de ceux qui nous écoutent et qui sont néophytes, c'est que il est question en tout cas de médiatiser le fait social. C'est-à-dire que pour combler une lacune de compréhension entre le chiisme, le sunnisme, que ce soit les hommes politiques ou les médias ont une lecture purement médiatique de la chose, ce qui leur évite en tout cas d'aller au fond du problème. Donc c'est très facile de prendre des raccourcis et d'en faire un fait médiatique. Plus on parle du fait médiatique, moins on a besoin d'aller au fond du sujet. Moi j'ai un souvenir aux Assises nationales de Rennes, pas plus tard que le 16 juin, où, devant une assemblée de 450 personnes, j'ai fait exprès, pour le coup, exprès, de dire un mot en arabe pour une jeune radicalisée que nous avions pris en charge dans notre association. Alors, j'ai fait un discours en parlant de Minhaj Salafi. Alors, j'ai continué. Je savais que les gens étaient restés bloqués sur cela. Et ils n'écoutaient plus, en fait, après ce que je disais, les 450 personnes. Et ils sont restés sur ce table. Pourquoi ? Parce que Minhaj Salafiste. Donc, ils sont restés sur cette lecture médiatique. 45 minutes après, il y en a une qui a eu le courage de me poser la question, de savoir ce que c'était. Et je lui dis, je vous remercie de me poser la question, parce que je pense que pendant 45 minutes, vous ne m'avez pas écouté, parce que vous êtes resté sur cette lecture purement médiatique. Et donc, c'est aussi important que, autant nous, travailleurs sociaux, travailleurs de terrain, nous devons aussi apprendre ce qui se passe dans les quartiers, autant ceux qui sont en face ou à côté, ça dépend comment ils se positionnent, que ce soit les hommes politiques ou en tout cas les décideurs, apprennent aussi à aller vers les autres pour essayer en tout cas de comprendre certains faits. Sur ce plan-là, revenir à la thématique principale qui est la radicalisation. Voilà. Donc là, ce que j'aimerais beaucoup, c'est avoir une lecture que je qualifierais purement politique de la radicalisation. Ouais. Et pour cela, je t'envoie au mur Bali. Monsieur Ali. Non, tu m'envoies pas au mur, dans la mesure où la politique, c'est pas une science exacte, donc chacun a le droit d'avoir un avis un peu différent sur le sujet. Mais avant de rentrer sur la politique, c'est plus déjà se mettre d'accord sur un principe. Voilà, on parle de radicalisation, donc on sait bien que la radicalisation, c'est avant tout un processus. Oui, tout à fait. Voilà, donc à partir du moment où on considère que c'est un processus, ça veut dire qu'il y a des interférences dans la construction d'un sujet qui peut l'amener sur ce chemin-là. Tout à fait. Jusque-là, on est complètement d'accord. La deuxième chose... La radicalisation, ce n'est pas un processus où finalement, je veux dire, ce n'est pas une science exacte. Non.
On est aussi d'accord sur ça. À partir du moment où on est dans ces principes-là, il y a en tout cas un facteur qui est indéniable, c'est qu'il y a à un moment donné quelque chose dans la construction d'un sujet qui l'amène véritablement à dérailler. C'est valable pour la radicalisation. C'est valable pour d'autres phénomènes d'ailleurs, oui, bien sûr, de délinquance et tout ça. Soufisme, par exemple. Et donc, il est vrai qu'à partir de là, alors on a très souvent coutume de dire que la responsabilité elle est à la société. Mais une fois qu'on dit que la responsabilité est à la société, c'est à la fois vrai, mais en même temps, c'est à la fois absolument faux, puisque de toute manière, on sera en incapacité de pouvoir identifier qui réellement est en responsabilité directe pour incarner, je veux dire, cette société. Donc, ça veut dire que c'est chacun dans nos responsabilités au quotidien. On a évoqué la question de l'éducation, donc la place des parents dans la construction de l'enfant. Et donc on voit bien que plus on est dans une société où la solidarité finalement se fait attendre, plus on est dans une société où finalement l'accès à la culture, au savoir est de plus en plus difficile, plus on est dans une société où finalement, je veux dire, les peurs se font entendre, alors on a un phénomène de rejet qui peut prendre la forme de radicalisation. Et donc c'est vrai qu'à partir de cette réalité-là, moi j'ai grandi en cité, je vis en cité, et donc je suis d'origine musulmane, donc j'essaie de pratiquer ma religion avec des principes simples en réalité, qui sont simplement d'être bien dans sa peau, d'être respectueux à l'égard bien sûr des gens qui nous entourent, quelle que soit d'ailleurs leur couleur de peau, et puis surtout d'être respectueux par rapport à l'héritage que nos parents nous ont donné. Donc ça, c'est un principe assez simple, c'est même pas de la religion, c'est des grands principes de vie quand on vit en société. Après, il est vrai que, et moi j'entends les remarques qui ont été formulées sur la question de la numérisation. On peut finalement débattre pendant très longtemps sur la question finalement d'un outil. L'outil, il est ce qu'il est. Mais en fait, l'outil, ce n'est pas le principal problème. L'apprentissage et de transmission, en fait. Le sujet, c'est la question du contenu. Voilà, tout à fait. Parce que l'outil, on a aujourd'hui un micro, le micro, il permet d'envoyer, en tout cas, de me faire entendre. Mais le micro ne va pas me permettre, entre guillemets, de corriger mes propos si elles sont fausses. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, le numérique, bien sûr que c'est un outil, et l'on peut avoir tout un débat autour de ça, personne ne sera en capacité de pouvoir lutter contre la modération. Personne. C'est donc, on ne peut pas. Donc, la seule chose, en fait, qui est posée, et là, malheureusement, c'est dans la main de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'on soit en capacité, déjà, de regarder la société telle qu'elle se présente à nous. Moi, je vois des situations qui sont les situations les plus allemandes. J'ai été à l'école avec un certain nombre de mes camarades et je vois bien que dans les discours sont avant tout, avant d'être des discours radicaux, sont avant tout des discours de rejet de la société dans laquelle nous sommes. Vous êtes sur RTSF 93. RTSF 93. La web radio, talk show et débat sur l'enfance et la jeunesse en Seine-Saint-Denis. Écoutez RTSF 93 sur www.rtsf93.com. Bonsoir, bienvenue sur RTSF 93, donc la troisième émission du jour. Aujourd'hui, ce sera un débat ou en tout cas un échange assez spécifique en compagnie de mon confrère, je dirais, Bali Bagayoko. Donc nous serons deux à modérer cet échange. Il y a autour de la table, et nous allons l'appeler pour l'occasion Ilham, j'espère que ça tira, et ton fils qu'on va appeler pour l'occasion Omar. Alors, je ne préciserai pas ni le lieu de résidence, je me contenterai de dire que vous vivez en Seine-Saint-Denis. Pour précision, j'ai souhaité entendre ce jeune en présence de sa mère pour bien que les choses soient organisées et cadrées. Je précise aussi à Ilham qu'elle peut intervenir et prendre la parole à tout moment pour préciser, rectifier toutes les informations qui vont être données. Bien évidemment, c'est sous couvert d'anonymat pour une question notamment de sécurité. Il y a à peu près un an, voilà, mon fils donc rentre à la maison et me tient un discours en fait qui me choque un petit peu dans le sens où il me parle de Daesh, de la Syrie, d'un engagement au nom de la religion musulmane. Il me parle de gagner le paradis. Voilà. Donc moi j'étais choquée parce que je ne l'ai jamais entendu en fait parler de ça du jour au lendemain en fait. En fait ça a commencé par des petites approches. Il ne me disait pas des choses très graves dès le début. C'était des petits rappels de religion
tout à fait normal. C'était fais ta prière, touche pas la drogue, touche pas l'alcool. Va à la mosquée le vendredi, évite les conneries et tout. Bon, moi, ça je l'écoutais. Ça, après vraiment deux petites semaines, il a commencé à me parler de ça au début. Comme j'ai dit, c'était pas trop dans ce domaine-là. C'était plus dans les petits rappels de religion normale. Ils avaient quel âge? Franchement, la tranche d'âge, je connais pas son âge exactement, mais plus grand que moi, ça c'est sûr. Je veux dire, entre 20 et 25, pas plus. Vraiment pas plus. Et ils habitent dans la ville ou Oui, ils habitent dans la ville. Ils habitent. Il y a des gens, je crois, c'est des gens qui vont à la mosquée. Bon, après. Voilà, moi-même, après, à partir d'aujourd'hui, je comprends pas. Si lui-même, il me disait de partir, aujourd'hui, il est pas parti, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Non, d'accord. C'est un peu paradoxal. Voilà. Voilà. Et toi, tu les connais? Franchement, non. Moi, de loin, je les voyais, mais c'est des gens, ni j'ai voulu les approcher, non. Mais avant ces événements, est-ce que tu les avais déjà vus ou pas? Non, je savais, parce que moi j'ai vu pas mal de jeunes en fait dans notre quartier qui ont changé du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ben voilà, on se met une ils sont en chachia, ils sont en sunna, donc avec leur kamis, ils ont des livres sur eux, H24, des supports quoi. Des supports où ils lisent quoi. Donc aucune transmission orale, ce qui dans la religion, je trouve ça vraiment, je veux dire. La religion musulmane, c'est par transmission orale. Là, non, eux, c'est je bouquine. Je ne sais pas qui a écrit ce livre. Voilà, mais je bouquine. Ce qu'on me donne, je lis. Et donc, bah, ces jeunes-là, du jour au lendemain, j'ai vu pas mal de jeunes se transformer. C'est des jeunes qui me disaient bonjour, qui me passaient le salam, et du jour au lendemain, ah non, ils marchent à côté de toi, la tête baissée, ils te regardent pas. Der Lärm hat alle aus dem Schlaf gerissen, gestern Morgen um 4.20 Uhr mitten im Stadtzentrum von Saint-Denis. Seitdem hat Bali Bagayoko nur 3 Stunden geschlafen. Er ist stellvertretender Bürgermeister und hat schon die ganze Nacht verängstigte Bürger betreut. Diese Frau hat sich erst heute Morgen wieder aus dem Haus getraut. Nach dem Schock will sie nur kurz gucken, ob der Briefträger da war. Die Haupteinkaufsstraße, die Rue de la République, ist auch heute noch abgesperrt. Der Drahtzieher der Attentate wurde von der Polizei getötet, aber er hat von hier aus den Mord zahlreicher Menschen koordiniert. Das ist ein Schock für Saint-Denis. Da sind viele Häuser, die gerade renoviert werden, die in einem fürchterlichen Zustand sind. Da gibt es Wucherer, die von der Misere profitieren und die unbewohnbaren Zimmer zu hohen Preisen untervermieten. Und jetzt stellt sich heraus, dass in solchen Wohnungen offenbar auch Nester für Terroristen sind. Das war kurz vor den Attentaten. Bei einem Webradio in Saint-Denis, nur ein paar hundert Meter vom Stadion entfernt, machten sie eine große Konferenz zur Radikalisierung. Auch Bali Bagayoko war da. Mit ihm Imame, Experten, Journalisten. Schwerpunkt, was treibt die Vorstadtjugend in den Dschihad? Wenn der Staat nicht für sie da ist, kommen eben andere Leute, die ihnen Hilfe anbieten. Soziale Unterstützung. Das können auch Radikale sein. Sie werden in diesem Moment glaubwürdiger als der Staat. So einfach ist das. Bali Bagayoko ist selbst in einer Problemsiedlung von Saint-Denis aufgewachsen, mit 5 Geschwistern. Auch er ist Moslem. Der Terror trifft ihn nicht nur als Politiker. Das ist nicht das Zusammenleben, das mein Vater mir beigebracht hat. Das will ich nicht für diese Stadt. Nicht als Politiker, aber auch nicht als Mensch. Wenn ein Terrorist hierher kommt, nachdem er mehrere Bomben platziert hat und 500 Meter von hier Unterschlupf findet, dann ist das ein Problem für mich. Stade de France, Saint-Denis, heute Abend. Bali Bagayoko hat diese Gedenkveranstaltung mit organisiert. Seine Stadt muss jetzt stärker sein als der Terror. Cette église-là, elle est construite à l'année 60 après Jésus. 60, ça veut dire des 8 ans.
ميلادي بآسيا الصغرى. Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec un habitant, un chrétien de la ville de Maloula, en Syrie. Alors, ma première question, ma seule et unique question sera, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux Français et notamment aux chrétiens français ? شو رسالتك للفرنسيين وتحديدا المسيحيين الفرنسيين ك احد ساكني معلوله نحن بمعلوله وكاحد سكان معلوله او مسيحي معلوله عايشنا الارهاب وعرفنا انه هن مستقصدين الاديره والكنائس والمسيحيين بمعلوله وبسوريا. Donc moi, autant d'habitants de Maloula, je suis chrétien de Maloula, j'ai constaté et j'ai vu que les terroristes wahhabistes, ils ont visé les chrétiens partout et surtout à Maloula. نحن طبعا بنميز بين الشعب الفرنسي وبين الحكومة الفرنسية ونطلب من الشعب الفرنسي يتفهم واقع الأزمة والمعاناة بسوريا. ويقف لصالح المدنيين وصالح المسيحيين ضد الإرهاب ويضغط على الحكومة إنه ما تدعم الإرهاب والإرهابيين. Donc moi autant de chrétiens de Maloula, on distingue entre la population et le gouvernement français et on demande ce peuple français qu'il fait la pression sur son gouvernement, qu'il appuie plus et qu'elle n'appuie pas les terroristes qu'ils nous massacrent. C'est eux qu'ils nous massacrent, qu'ils détruisent nos églises. Et nous espérons qu'ils puissent voir la vérité sur la terre pour les amis et les proches et tous les peuples français pour qu'ils voient la vérité et qu'ils connaissent la vérité. Donc, on espère que vous portez avec vous un témoignage vrai et réel de ce que vous avez vu avec vos yeux pour que le peuple français qu'il connaît la vérité. Thank you. Je précise juste que vous êtes avocat de profession.